Ay, de ce mode-là. Oui, bah le thé au citron coréen, on n'a pas non plus. On n'a pas de thé coréen, on n'a pas de j'ai pas de restaurant coréen dans le secteur. Je n'ai rien de coréen, ni le thé, ni le citron. En fait, tu fais confire du citron, tu le mets dans l'eau chaude. Ouais. Ouais. Bon, c'est vrai, comme ça a l'air assez simple. Et. Je ne sais pas. Il faudra tenter. Non, les plaies nauséeuses, ils sont pas gentils. Et. On va pas remplacer la douche tout de suite, hein, parce que. Ça sert à rien. On va bientôt plus en avoir. Donc, on va aller dormir dans le noir, toujours. Oh là là, mais je sais pas comment je vais tenir là sans électricité. Il reste au moins 20 jours là. Attends, je suis où? Non, mais il reste 18 jours quoi. C'est pas possible. Je peux pas passer 18 jours comme ça sans payer les factures. Et ça s'accumule les factures quand on les paye pas. Genre la semaine suivante, tout ça s'accumule parce qu'on va finir le challenge, on sera à 1 million de factures quoi. Va bien. Vas-y, fais venir la nounou. Nounou, elle va halluciner quand elle va voir où elle débarque. On a des sous pour la nounou, on n'a pas de sous pour l'EDF. C'est. Bienvenue dans la famille. Alors. Ça y est, j'ai fini de dormir moi? Non. C'est lui qui me réveille, mais laisse-moi tranquille. Oh là là. Pourquoi je... Ah, j'ai peur. J'ai fait un cauchemar, c'est ça? Elle va faire une sieste. Marc, voyez, on n'a pas vraiment besoin d'électricité. On a les bougies, là. Ça marche bien, les bougies. On va mettre des bougies partout, moi. Ça me gêne pas, hein. De toute façon, c'est un bambin, elle regarde pas la télé. Est-ce que la tablette marche? Ah, bonne question. Elle est où déjà la tablette? Elle est là. Ah, la tablette fonctionne. C'est bien. C'est bien. C'est l'essentiel. C'est avec la tablette, je peux faire progresser mon bambin. Que sans, c'est nettement plus compliqué. Alors. Bon, c'est bon, t'as plus peur là. Si t'as peur. Bon, tout le monde dort là. Tout le monde dort sauf la nounou, bien sûr. Allez, c'est bon. La mère est revenue avec des sous. Elle peut toujours pas payer des factures. Et on peut toujours pas, non. Bon, allez, va dormir. Dormir. Pas la grimace. Non, je vois pas. Non, je peux vraiment rien faire pour elle. Oui, c'est ça, elle doit avoir de la batterie. Enfin, vu qu'on les recharge jamais, j'imagine que c'est des tablettes à batterie permanente. C'est une batterie solaire en fait. C'est une tablette solaire. C'est beau, la technologie. Allez, hop, elle dort. On va essayer de finir les deux compétences qui nous manquent. Et puis on sera pas mal, hein. Toujours dans le noir. Il n'y a que les bougies qui scintillent dans la nuit. Puis l'autre, elle squatte le lit, donc le gosse, il est obligé de dormir sur le canapé. C'est une famille modèle, je vous assure. C'est. Et du coup, elle fait des cauchemars. Ouais. Est-ce que c'est lié à l'absence de lumière? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait 2 fois qu'elle fait des cauchemars alors que. Ah bah oui, heureusement qu'il n'y a pas les saisons, heureusement qu'il fait pas froid, heureusement qu'il n'y a pas un système de chauffage, parce que là je crois que il serait mort en fait. Il serait mort.
Bon, allez, accélère le mouvement. Ah, puis la nounou, elle est toujours là, elle squatte. En ce temps-là, je la paye. C'est moche. Voilà, c'est une ambiance romantique. Tu vas voir, quand tu auras plus d'eau, le romantisme, ça le fait moyen. Le romantisme, c'est sympa quand tu peux prendre des douches, quoi. Sinon, ça le fait pas. Allez, allez, allez. Bon, allez, laisse tomber ta tablette, retourne. Ah, mais non, mais t'es toujours triste. Encore 2 heures hein, pour le cauchemar. Ah, il t'en faut du temps pour t'en remettre. Hein. Bon, allez. Allez. J'ai dit d'arrêter la tablette. Ah, ils sont buggés, ça y est. J'avais même pas vu. Oui, alors ça me le fait souvent. Ça vient peut-être d'un mode. Hein. J'ai pas mené l'enquête, mais de temps en temps ils se bug tous, il suffit que je fasse pause ou que j'appuie sur le menu pour que ça revienne, mais ça vient très certainement d'un mode ou d'un CC ou quelque chose comme ça. Donc, faudrait que je me penche un peu là-dessus. Alors toujours en plein cauchemar, toujours en plein cauchemar. Allez. On y va, on dort. Les autres veulent pas aller dormir. Bah non, sinon ce serait pas drôle. Ah bon, donc ça vient pas d'un mode, ça vient du jeu. Tu me rassures. Enfin, tu me rassures. Oui et non, parce qu'un mode j'aurais pu le supprimer. Le jeu, je vais pas pouvoir y faire grand chose. Donc, est-ce qu'on a encore de l'eau? Ah, faut que je remplace. Allez, on remplace. Allez, demandez un bain, s'il te plaît. Ah, bon, bah si on est plusieurs à l'avoir, c'est qu'effectivement, ça vient de... Ça vient du jeu, et puis bah non, comme j'ai mis le patch et que c'est souvent là, ça n'est pas corrigé par le patch. Alors... C'est bien, je prends un bain avant qu'il n'y ait plus d'eau. Ils m'ont pas dit qu'ils allaient me couper l'eau. Ils attendent un petit peu, peut-être qu'ils sont sympas. Tu peux supprimer le jeu. Non, je vais pas supprimer mon jeu. Je ne vais pas... Il y a que les Sims 3 qui m'ont fait supprimer mon jeu parce que je pouvais pas y jouer, mais... Jamais je ne supprimerai mon jeu des Sims. Jamais. Enfin, si, quand tu auras les prochaines versions, mais c'est pas pour demain, donc j'ai le temps. C'est plus bon, c'est pas un bug non plus trop. C'est juste que des fois je mets un peu de temps à m'en rendre compte. Je me dis qu'ils sont lents et qu'ils écoutent pas ce que je leur dis, et alors qu'en fait ils ont bugué. Ah non, c'est un mariage, on s'en fout. On s'en fiche. Allez, donne-moi à manger. Donne-moi à manger, s'il te plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'elle va me sortir? Un bol de petits pois. Ah, bah nickel. À minuit. Ça va. Qu'est-ce qu'elle fait? Des pompes, enfin des abdos dans la cuisine. En tailleur. À côté d'une salade. C'est normal. C'est les Sims. Ça fait partie des joies de ce jeu. Il se passe des choses bizarres. Bon allez, descends-moi de là. Déjà fini de manger. Ouais, par contre, t'aurais pas pu me filer une salade, non? Tu as fait un petit pois. Ouais. Ah bah non, non, moi le 3, j'avais aucun problème. Si ce n'est que je pouvais pas sauvegarder mes parties. Donc moi je pouvais jouer pendant des heures, hein, facile, hein, je pouvais jouer, avoir autant de générations que je voulais, mais par contre quand je voulais sortir du jeu, fallait tout que je recommence à zéro. Donc c'est sympa une fois, deux fois, trois fois, après tu laisses tomber parce que
Parce que la progression, quand même, c'est... T'as envie de l'avoir, donc... Donc voilà, mais effectivement, moi je pouvais jouer, hein. Large. Eh ben non, non, parce que... Eh ben figure-toi que la cuisinière, elle est solaire aussi, comme la tablette. Donc elle s'est barrée, elle est partie dormir sans descendre de ma chaise haute. Donc oui, non, les petits pois sont cuits apparemment, mais cuits à quelle énergie, je ne sais pas. À l'énergie solaire de la nuit, très certainement. Donc voilà, donc tout le monde dort. Et donc, si je peux réveiller quelqu'un. Et ils m'ont laissé sur ma chaise comme une clocharde. Voilà, c'est normal. C'est au secours! Allez, descends-moi de là. Voilà, ils m'ont laissé dans le noir sur la chaise haute. Et après, on s'étonne que je fasse des cauchemars toutes les nuits. Voilà, j'ai des parents indignes. Allez, laisse-moi tranquille là. Je sais pas où tu m'emmènes. Mais je vais aller dormir. Voilà, allez sur le pot et dormir. Commence à frapper. Allez, j'ai cliqué sur le pot et dormir. Allez, c'est parti. Allez. Voilà. Alors, on en est où? Quand tu veux, hein. Allez. Je vais mettre des bougies comme ça partout. Ça va éclairer. Ah, ben voilà, c'est ça, j'ai la solution. Les petits pois sont cuits à la bougie. Tu connais pas? C'est cuisson à l'ancienne. Allez. Accélère. Bon, bah, mine de rien, on y arrive, hein, petit à petit. Allez, 17 jours. On tient le bon bout. Marc, l'absence d'électricité leur pose pas trop de problème, hein. Ils arrivent à se faire à manger. Ils arrivent à me donner à manger, ce qui est pas mal. Je pense que l'eau va être plus problématique, essentiellement pour les toilettes et la douche. Même si les Sims vivent très bien sans se laver, hein. Ils sont juste un petit peu tristes, quoi. Alors, ensuite, on va laisser dormir encore un petit peu. Voilà, ils vont tous se barrer. Moi, je vais pas leur demander de me remettre sur la chaise parce qu'ils sont capables de se barrer au boulot en me laissant dessus. Tout est normal. Non mais la cuisson à la bougie c'est ultra rapide, hein. Faut juste anticiper un peu. Tu fais cuire petit pois par petit pois. Tu connais pas. Ensuite, bon. Qu'est-ce qui nous manque? Pas grand-chose, hein. On va essayer de. Allez, on va essayer de finir l'imagination, tiens. Ça va au travail. Dessine. Allez, c'est parti. Ben non, il n'y a pas de petit buisson. Mais enfin, ceci dit, si vraiment il n'y a plus d'électricité qui ne peut plus aller aux toilettes, j'en mettrai un. Vous avez 24 heures pour payer aux factures avant que l'eau ne soit coupée. D'accord. Pas de problème. Parce que quand l'eau est coupée, ils peuvent pas non plus aller aux toilettes, c'est ça? Ben. On est mal, les gars. Même lui, il sait qu'on est mal, il est parti prendre un bain, dis donc. Même lui, il a anticipé. Bon, après, on a une piscine au cas où, hein, c'est pas. Est-ce que l'eau de la piscine se vide? Non, allez hop, on embauche une nounou. Ah mince, je vais avoir faim. Que la nounou va me nourrir. Je suis pas sûre. Vu la. Comment ça c'est. Comment je dirais. Vu la. L'efficacité des nounous dans cet opus, je doute qu'elle pense à faire à manger.
Non, on va arrêter. Non, j'ai pas envie de te parler. On va essayer, hein. Demander à manger à Hakim. Ah bah si, on peut demander à manger, les gars. C'est beau. C'est beau. Non, mais tu vois, c'est bien avec ces challenges, c'est qu'on découvre des choses. Parce que moi, jamais... Enfin... Depuis que je joue au Sims 4, jamais de la vie on m'a coupé l'électricité, quoi. Alors l'autre, imagine, encore moins, quoi. D'ailleurs, je vais pas réparer les vieux, on va voir s'ils continuent à fuir. On découvre. Hein. Je sais que la piscine lave pas. Enfin, du moins, elle ne lave plus. Puis les bambins dans la piscine, ça ne marche pas. On peut aller que dans la piscine à bulles. Et ça, non plus, ça lave pas. Compote de pommes à 16h. Pour une fois, on est raccord. Donc, en fait, la nounou est plus efficace que les parents. Elle, au moins, elle donne ce qu'il faut à manger. Alors, ensuite... Allez. Ouais, tout ce qu'elle ramène... Pourquoi ? Alors, elle me sort... Alors, hier, il me laisse tout seul toute la nuit. Et là, il me descend alors que j'ai rien demandé. Et ben, je vais aller dormir, tiens, pour la peine. Attends, tu vas me raconter une histoire, ça va faire monter l'imagination. Allez, c'est parti. Bon. Oh, j'ai hâte qu'il nous coupe l'eau, dis donc. On va découvrir des nouvelles possibilités. Au contraire, ça va nous créer des soucis en plus. Ça va être long, ça va être long. 17 jours. Hein. 17 jours comme ça. Et bonjour à ceux qui arrivent. En espérant que ce soit mieux que tout à l'heure. Alors ensuite... Ok... Laisser dormir tranquillement. Ah, j'ai hâte qu'il nous coupe. Putain, j'ai hâte qu'il nous coupe pour voir ce que ça donne. Oui, le frère fait ses devoirs tout seul sans que j'ai besoin de lui demander. Donc il a même le très responsable. Tout à l'heure j'ai eu un message. Donc ça c'est pas mal. J'ai quelques contenus personnalisés. Pas des masses. J'ai notamment. Dans cette partie, j'ai le body et j'ai la coupe de cheveux de la petite, je crois, qui est un CC. Mais c'est à peu près tout, me semble-t-il. Voilà, j'essaye que mon jeu reste un peu homogène et j'essaye, voilà, quand je télécharge du contenu, dans la mesure du possible, j'essaye de faire... de prendre du contenu qui ressemble un peu à ce qu'il y a dans le jeu. Alors, on va aux toilettes. Hop, hop, hop. On va aux toilettes aussi. Si ta fille, elle y arrive, tu dois pouvoir le faire. Non, dormir non, manger, elle va jouer. La tablette a toujours la batterie, c'est magnifique. Hop, dessiner avec le lama. Les autres, on les laisse se débrouiller. De toute façon, je peux rien faire pour eux. Allez. Allez, 4h du matin, courage, le jour va se lever. Vous allez pouvoir y voir clair. C'est parti. Mais arrête de lui parler. Ils sont terribles, hein. Non, mais sinon, je crois que je vais repasser en durée de vie normale, hein, parce que ça va pas être possible, sinon. Et j'ai peur de galérer enfants et ados sur les tâches à effectuer. Parce que là, sur Bambin, c'est assez facile, mais... Est-ce que ça va être aussi facile et rapide sur les autres catégories? Je suis pas sûre. Bon, j'ai faim. Alors. Hop, hop, donnez-moi à manger. Hop là.
grand-père et grand-mère. Quel grand-père? J'ai pas compris la question. Est-ce que j'ai mangé? Je sais pas, j'ai déjà fini. Ah, je pleure. Et il est parti se coucher, il m'a encore laissé. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible, là, je vous jure. Si c'était pas ma famille, je les dénoncerais à la DAS direct. Allez, vas-y. Descends-moi de là. Je vais faire un tour aux toilettes et je vais bosser. Hop, mon imagination en dessinant avec le lama. Ah oui, tu... Alors... c'est bien, normalement, ils ont un lit de... Ah, voilà. Le fournisseur d'eau local a coupé l'eau dans votre maison. Et donc, pour répondre à la question, le robinet ne fuit plus. On peut rien utiliser. Ah, je peux toujours éclabousser les toilettes. Je sais pas s'ils peuvent s'en servir, on va bien voir. Sinon, il va y avoir rapidement des flaques dans toute la maison. Bon, c'est là que la galère commence. Non mais c'est chaud. Hein. Il reste 16 jours quand même. Je suis même pas à la moitié de la barre. Et bah ça va être long. Pour peu que j'arrive pas à les payer, même enfant. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Non, mais on va y arriver. J'ai la foi. Bon, je crois qu'on a bientôt validé une compétence. Là. Oui, voilà. Une dernière, puis on aura fini. Les journées vont être longues, hein, quand il n'y aura plus rien à faire. Allez. Magnifique! Allez, la réflexion maintenant. Tu joues à Simform. Allez. Bon, ben, je suis. Voilà. C'est la fin des haricots. Faut aller faire pipi dans la piscine. Je vois que ça. Hop, allez, la nounou. C'est plus drôle. Niveau supérieur, très bien. Hop, hop, hop. Oui, Dieu m'a donné la foi, comme vous faites live. Moi, j'ai foi en moi, je vais y arriver. Je vais relever ce défi. Et... Qui a besoin d'eau de nos jours? On vit très bien sans. Enfin, une maladie. Bon. Allez, ce serait bien que les jours avancent un peu plus rapidement là parce que quand même. Par contre, je me demande une fois que j'aurai validé les compétences, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire à ce moment-là. Ouais, c'est un peu long, je trouve, d'avoir mis l'espérance de vie sur long. Je pense qu'un normal était suffisant. Mais bon, en tout cas, pour le stade Bamba, encore une fois, parce que à mon avis. Avec les autres stats, ça va être beaucoup plus compliqué. Bon alors. Ah, puis ils vont tous mal. Je sais pas trop pourquoi, je peux pas cliquer dessus pour voir. Bon, j'ai hâte de voir est-ce qu'ils vont aller faire pipi dans des toilettes bouchées ou pas. Je ne sais pas. Hein. Allez, à voir. Sinon, il y a la piscine au cas où. Hein. Faire pipi dans la piscine, hein, c'est pas très propre, mais... Ça marche. Je vais leur mettre un buisson spécial. Spécial pipi. Allez, finis ta compétence, toi. De toute façon, elle a sommeil, donc allez, on lâche tout et on va dormir.
Ah, ils sont encore buggés. Oh là là, ça suffit. Me disais bien. C'est le problème, c'est que les Sims, ils écoutent tellement rien que tu sais jamais s'ils sont buggés ou si c'est juste qu'ils ont pas envie d'écouter ce que tu leur racontes. C'est un peu. C'est un peu le problème avec les Sims. Alors faire sur le pot, je crois pas que ça soit une option envisagée. Je pense que ils auront plus de facilité à les faire dans un buisson que sur le pot. Et puis le pot, faut le nettoyer après. Et sans eau, c'est quand même pas pratique de nettoyer un pot. Ouais, bah, je sais pas, ils veulent pas jouer avec toi, tu m'étonnes. Tu te le fais. T'as pas vu une douche depuis. Depuis 2 jours. Où il va? Il va voir sa mère. Magnifique. Allez, hop, on accélère un petit peu. Ah bah, parti dormir. Là, il est toujours dans la piscine. Voilà, bah tu peux toujours le fennec après, hein, t'inquiète pas. Ça. Malheureusement, on peut plus se laver dans les piscines. Ça, c'était bien. C'était la bonne époque. Bon. Ah, pour l'instant, on s'en sort bien, hein. On a validé le premier stade bambin. On survit malgré l'absence. Parce que finalement, c'est eux qui sont embêtés. Parce que moi, je peux aller faire mes besoins sur le pot. Ils me donnent à manger quand même. Y a que les adultes et les autres habitants de la maison qui ont des soucis. Parce que. On s'en fiche. Parce que le bambin se porte plutôt bien. Allez. Enfin, si ce n'est qu'elle a très envie d'aller. Et là, par contre, faut éviter de te salir de trop parce qu'il n'y a plus le bain. Voilà. Elle va bien aux toilettes. Alors, combien de jours avant l'enfance? Très bonne question. 15 jours, voilà. Tout va bien, tout est sous contrôle. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile cette histoire. Non, mais 15 jours, c'est impossible. Et je sais pas si je peux passer. Une fois que j'ai accompli les tâches, est-ce que je peux pas passer plus vite au stade suivant? Ou est-ce que c'est interdit? Je sais pas. Il faudrait que je regarde. Et que je demande ça en même temps que les factures. Ils ressemblent tous à rien. Parce que à ce moment-là, moi je pourrais passer enfant plus rapidement parce que bon ben j'ai fini tout ce qu'il fallait faire. J'ai faim. Allez. Ah, tout le monde a faim, visiblement. Visiblement, c'est fini le temps des petits pois et des salades qui nécessitent pas de cuisson. Ce qu'elle mange, elle. Des céréales. Normal. Pas faire grand chose d'autre, hein. Céréales, yaourt, Anka. Normal. Voilà. Est-ce qu'il va me donner à manger? Ah, déjà il me prend dans les bras, c'est pas mal. Quelqu'un a nettoyé la chaise haute, ça fait plaisir. Hop, qu'est-ce qu'on va manger de bon? Encore un sandwich. Jambon fromage. Normal. Hop, après on va retourner dormir parce qu'il n'est que 3 h du matin quand même. Et si je mets directement dormir, est-ce que quelqu'un va aller me coucher directement? Oui, c'est bien. Super. Allez, il n'y a plus qu'un. Dors tranquillement jusqu'à demain matin.
Tout le monde dort, non, tout le monde dort pas. Sont là les factures, hein. Je pourrais la payer. Hein. Ah, les plénosas, c'est vraiment des rats. Je préférais encore quand le... Quand Lucie venait prendre un objet, parce qu'il venait prendre l'objet et puis basta, quoi, c'était fini, quoi. C'est-à-dire que ça, j'aurais pu le remplacer sans problème, mais là... Si, si, il pue. Regarde le petit, là. Si tu veux, je te confirme. Il sent un peu le rat mort, hein. Voilà. Donc, il est pas bien. Nous non plus. Ce qu'on va faire, de toute façon, je pense qu'on va pas... On va pas faire durer le live trop longtemps ce soir parce que... comme ça, je vais pouvoir aller un peu m'enseigner et voir ce qu'on peut faire pour le prochain live parce que là, ça va être un peu long. Si on peut même pas laver le bébé ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'on va pas tarder à arrêter. Et ça me laissera le temps d'aller un petit peu chercher tout ça. Quelles solutions je peux trouver? Comment je peux les inciter? Ah, ils n'en peuvent plus. Il a la vessie qui va exploser. Il est dégoûtant. Ouais, essayer de trouver. Ah oui, mais ça sert à rien de ramasser les assiettes. Tu peux pas faire la vaisselle, moi. Donc, je vais essayer de trouver des solutions pour les aider. Parce que là, les pauvres, ils sont quand même bien en galère. Et bah, moi aussi, du coup. Hein, parce qu'ils ressemblent. Ils sont tout dégoûtants. La maison, ça ressemble plus à rien. Ils mangent ce qu'ils trouvent. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie à tous d'être venus me voir sur le live. Et puis on se retrouve très vite parce que là je vais avoir toute une semaine où, où je vais avoir beaucoup de temps pour faire beaucoup de live. Donc, on va pouvoir avancer ce challenge rapidement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste au-dessus si vous voulez avoir les dates de diffusion et rien louper de ma chaîne Twitch. Et puis de toutes les façons, je mettrai cette vidéo sur YouTube voilà, ce soir ou demain pour ceux qui voudraient revoir ou ceux qui auront loupé le début éventuellement. Quoi d'autre? Eh ben c'est tout. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que si c'était la première fois, vous avez apprécié ce que vous avez vu. Encore, merci à Missing d'être là pour animer le forum et voilà, pas le forum, pour animer le chat, pardon, lapsus révélateur, pour animer le chat. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour un prochain live. Voilà, bisous!